Bonjour, c'est Grey Fox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge de Magie sur un anneau de notoriété fraîchement crafté. On va essayer de faire un over résistance eau plus PO pour aller sur un Xelor PVP. Xelor eau PVP. Voilà, bon, le PO c'est si ça passe, mais si j'ai un over de 3% eau sur du Nir Perf, ça m'ira. Voilà, mais en tout cas, dans l'idéal, il me faudra un PO sur cet item. Donc, on a 96 depuis. On va, je pense, chercher systématiquement. J'allais dire le perf, mais non. En fait, on fera du tryhard perf. Là, je pourrais pod et compagnie. Je pense que je vais me réserver de faire ça quand j'aurai le perf, perf sagesse. Là, je ne l'ai pas. On va juste ravi. Moins 10. Double papuy. Moins 12. Reste 74. Moins 6. Il reste 68. J'ai 2 en rab. Je peux pas en faire grand chose objectivement. Bon, typiquement, quand on a 2 en rab, on peut tenter double crit. Voilà, moi je ne les pas. J'ai donc 11 tentas. Res haut. C'est parti. Le chat me dit 58. J'ai compté 100 de base. J'ai compté, je sors d'un gros tryhard sur le puits PA. Ok, merci le chat. Donc apparemment, j'ai ici 56 de puits. Ok, bah du coup, ça change pas grand-chose. Du coup, j'en ai 9. Ok, let's go. J'aurais pu tenter du coup Pavipod. Bon, c'est pas grave, c'est fait. 2%. Est-ce qu'on a le PM? On n'a pas le PM. 84 de puits. On peut avoir le full perf là-dessus. On va go. Double papuy. Ok, moins 6. On a 2 à récup. On va mettre une petite réfixe. Ok. Qu'est-ce qu'on fait de la Vita? En vrai, on peut ravi. Ça passe. Moins 10. Et là, il faut espérer le moins 6. Et dommage. Dommage. Ce qui nous fait du coup 68 et on a une pavie en rab. Si on peut, on peut pavipod. Ok, ça marche. Pavipod, j'ai même. Oh, en vrai. En vrai, en vrai. Là, du coup, j'ai moins 3, j'ai plus 0,1. En vrai, on remet une pavipod, ça va, on n'est pas des fragiles. Hop. Quand on peut avoir le full perf avec le perf sagesse, on va le chercher quand même. Respectons-nous. Du coup, là, on a 62. On peut tenter double crit réfixe. Ok, on l'a pas. On a donc 10 tentas res haut. Est-ce qu'on peut avoir un petit 3% là-dessus, par exemple? Bah voilà. Bah, perf 3%. Ça me va. C'est le minimum. Enfin, c'est même pas le minimum. Un IR perf 3% me conviendrait. Là, je suis pas dans une optique de grosse exigence. Est-ce qu'on a le PM sur ce perf 3%? On n'a pas le PM. 87,8. Petit doute de résidus de puits qu'on aurait d'avant. On verra si on a besoin d'aller rechercher l'historique. On va go papu direct. Moins 12. On a un récup. Comme ceci. On va go pavi. Moins 1. Bon, on a le perf sagesse, la vita elle est un peu une sale tête. On va la monter à 247, moins 12. Ensuite les raises, on a moins 12 à nouveau. 50, on a 2 en rab. Peut tenter le crit réfixe, ok. 8 en tas, res haut. Oh. 2%. Est-ce qu'on a le PM là-dessus? On n'a pas le PM. 87 de puits. On va ravi. Moins 10. C'est le meilleur call. J'ai 29 à virer. Techniquement, je peux pavi et. Enfin, je peux faire un moins 13 à la pod et espérer avoir un moins 16. Mais comme ça, c'est bien aussi. Hop.
77, parfait. Ah, oups. 71, bon, vas-y, go, ça part. Ça nous fait quand même 11,8. En vrai, on peut tenter de crit. Ah, il faut tenter le crit, là. Ok, on peut encore tenter ça. En crit. Non. Bon, j'ai 11 tentats, du coup. Oula, ça gérait de passer un peu les raids, là. Bon. Est-ce qu'on a le PM là-dessus? On n'a pas le PM. 85 depuis, l'attentat est plutôt belle. On a moins 6. Moins 9. 70 depuis là-dessus. En soi, j'ai 4 depuis en rab. On peut go pavipod. Nice. Moins 3. La pod. Plus 0,1. On peut retenter. Bon, en vrai, on va y aller jusqu'au bout. Là, du coup, j'ai eu moins 0,5 et moins 3. Quand on a le perf sagesse comme ça donne trop envie d'aller chercher le full perf. Plus 0,1. Moins 3,5. On a 60,2, 10 tentas, c'est absolument magnifique. Allez, allez, allez. Allez, allez, le 4%. Le 4%. Ok, bon, elle est magnifique. Deuxième tenta full perf 3%. Est-ce que ça repasse là-dessus? On n'a pas le PM. 85 depuis. Allez, la petite papuie, moins 6. On peut récupérer la pavie. Magnifique, plus 1. Cette fois-ci, on va pas trahir le full perf. Moins 6, puisqu'on n'a pas le perf sagesse, donc on a 74. J'ai 2 en rab là. En soi, j'ai juste à créer une chat et je peux gagner une tenta pavipod. Dommage. 11 tenta raise. Oui. Allez. Oh, le 4%. C'est bien aussi ça. Est-ce qu'on a le PM sur ce moins 2 vita, moins 1 sagesse, 4% haut? On n'a pas le PM. 81 depuis. On va go. Papuy. Ouh, moins 24, ça pique. La petite pavie. Ok, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Ah bah là, ça me met pas bien là. Je voulais mettre. Ah, c'est pas ce que je voulais faire du tout. Aïe aïe aïe. C'est un peu la sauce là. On va mettre ça. J'ai plus 1, c'était pas du tout le plan. La situation a un peu glissé là. Alors objectivement, bon j'ai 27. Le mieux c'est peut-être de ravi. Oh, bah, ça va aussi, moins 30. Bon, bah, là c'est la sauce. En soi, il y a un monde où on peut faire des trucs à base de ça là. Là j'ai 22 typiquement. Moins 5. Ah, moins 6, bon. J'ai 30. Bon, bah, ouais. Go 5 tentats. Ah non, c'est moins 30. Voilà, j'ai même pas 5 tentats. En théorie, j'en ai 4. Eh oui, j'en avais 4. Ouais, pas ouf. Tentats bizarre. 83 depuis. Bon, la sagesse, pas ouf. On va commencer évidemment par la papuie, moins 6. On peut récupérer la pavip. Oh, bah, bien sûr. Moins 3, non mais c'est quoi ça? On se fait troller là. En vrai, ce qu'il faut que je fasse là, c'est de la réfixe. Voilà. 74, avec ça j'ai 76. Je peux tenter un crit. Non. Là, du coup, j'ai eu moins 4. Ok. J'ai 11 tentats de plus. Petit 4% peut-être? Eh oui! Est-ce qu'on peut avoir le PM sur ce 4% haut, near perf?
On n'a pas le PM. 87 depuis, la sagesse à 38 évidemment, moins 9. Ok, ça passe. On enlève l'over. On va go, pavi. Ok. Moins 4. Moins 5. On a du coup 63, j'ai 3 en rab. Peut tenter un crit prosp. Non, on va plutôt mettre une pavie, c'est bien mieux. Pavie, pod et 10 tentarez. C'est parti. 3% d'IRPF, est-ce qu'on a le PM là-dessus? On n'a pas le PM. 88,6 depuis. Ouf, moins 24. Est-ce que je pavie ou pas? Oui. Full pavie. Non mais c'est abusé. Ça me va en vrai. Bah j'ai moins 3 du coup pour tout ça, ça régale. On a donc 61. Bah let's go, hein. 10 repères. Est-ce qu'on a le PM sur ce near-perf 3%? On a le PM. Bon, c'est si on vraiment détendre sur cet item à la cool, c'est pas compliqué. Un peu deg, c'est quasiment la pire trinta que j'ai eu depuis le début. Ça vaut ce que ça vaut. Bon, je pense que si j'en ai besoin dans mes modes et que je le confirme, voilà, là c'est pour aller sur un Exalor haut PVP, mais je suis aussi en train de revoir un peu tous mes modes, d'expérimenter des choses. Si je confirme ma volonté de vouloir avoir un gros jet sur cet item, et ben on en refera et on essaiera à chaque fois d'avoir mieux. Sachant que dans l'idéal, je voudrais un 4% PO. 4% PO, ça se fait hein, là-dessus avec du tryhard. C'est vraiment, voilà, le puits PM, il s'enchaîne. Bon, c'était détente, ça fait quand même plaisir de faire ça. J'espère que cette vidéo FM vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Ça fait 80 tentas que je fais sur un bouclier giga dur. La première tenta, ça passe. Non, mais c'est un truc de fou quand même. C'est vraiment pathologique, hein. Là, je suis sur un bouclier cubiste. Ça fait depuis 2000, depuis début 2020 que je suis dessus. Je veux faire un over dommage sort PM sur le bouclier cubiste. Ça me coûte plus d'1 million de kama à l'attentat en moyenne, tellement les runes coûtent cher. Et là, je fais un truc éclataque sur un pilostère dommage critique et ça passe first try. Non, mais ma vie, c'est un sketch, hein. C'est juste pas normal, hein. Pourquoi je l'ai pas eu sur le bouclier tout à l'heure? Je fais des jets parfaits ou over deux sorts. Oh, c'est. Je sais pas.